Antoine Tour, novembre 66 de Golf. Antoine 66 Golf, Antoine, bonjour. Novembre 66 Golf, un DA40, deux personnes à bord, à l'air d'alignement, demande de taxi pour un vol local. En 66 Golf, transpondeur 70-51, et roulez point d'attente piste 05 VF1. Transpondeur 70-51, donc le point d'attente 05 VF1. Transpondeur 66 Golf. Faire les essais moteurs, donc voilà, la before take-off. Et le front ici, le warning. Light. C'est quoi ça? Forwarding light, regarde. Si tu fais ça, de gaz fera demi-pied dans la courbe. Forwarding light. Au-dessus, si piste 05, autorisé atterrissage en 0,30 degrés, sinon. Autorisé atterrissage 0,5, c'est avec de 4 ans. Et en 4 mise de gaz, demi-pied dans l'axe. De 92. Alors, il y a des. Alors d'habitude il y a un briefing, les minima sont acquis pour un IFS sous 0,5. Donc la procédure c'est on se met à 2000 pieds et au bout d'un moment il va nous faire tourner. Comme toi tu tournes en base et en base au bout d'un moment tu tournes à gauche pour intercepter la piste. Au bout d'un moment il va nous faire tourner d'abord un cap 180 puis un cap 180 pour intercepter le bloc. Tu passeras en mode. L'axe est là, oui. Il va nous faire tourner. Et après, quand tu veux intercepter l'axe, en 66 de Golf, intercepter l'ILF 05. Voilà, on je vois que tu regardes. Et dans l'avion, intercepte tout seul, c'est-à-dire que lui te donne un guidage et après tu te débrouilles pour l'interception. Le 0 4 4. Tu vois.
Et donc maintenant, là il est actif. La descente. Et tu mettras 15 pouces. Non, je te mets juste 18 pouces. Ouais. Et... Il a pris un petit peu, mais il a trimé tout seul. On est à 5 nautiques à 6,3 et on débutera la descente à 5 nautiques. Tournez à droite au cap 280. Et là tu vois le lock, et il te le garde de manière impeccable. Le glide arrive. Ok, top chrono, lance ton chrono et mets ta 15 pouces. Est-ce que tu sais la vitesse sol qu'on a? C'est juste confirmé début de descente. Affirme, on vient de débuter la descente alors, c'est off. Donc, tu vois, il voit qu'on est un petit peu au-dessus du glide, réduit un petit... On est, il faut qu'on descende, donc tu réduis un petit peu plus, tu vois, il a du mal à 13 pouces. Et à 82, on devrait avoir 450 pieds minutes. Tu vois, à 4 nautiques, on devrait être, tu vois, c'est seul, 9 x 5, 45, on devrait descendre à 450 pieds. Et... pas, non. Ah, t'es au pilote automatique, il trime tout seul. La seule chose qu'il faire, c'est qu'il est les gaz. On voit combien au-dessus il nous demande de descendre. Et on fait un petit peu les gaz. Cap 2-8, contacté de Golf 136. De losange. S'il est au milieu, il est bien. S'il est vers le bas, c'est que t'es trop. Sur, on suit l'aiguille. Tu vois qu'on est trop. On réduit les gaz. Lui, il veut mettre le losange en permanence ici. Bon, je peux pas lui. Piste 105, autorisé, touché dans 0,5. On touche 0,5. Donc tu vois, lui, son job, c'est de mettre le losange ici. 7 nœuds de face, 3 nœuds de travers, non. Et là, il termine losange. Donc du coup, on... il a fait un rattrapage du plan. Ouais, un peu moins, 15, tu vois. Voilà, c'est ça. Et on va passer plein volet. Voilà. Voilà. Et tout doucement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire avant de se poser sur cet avion? Un truc hyper important qu'a cet avion, qu'a pas les autres avions sur lesquels tu voles, minima plus 500, faut que tu passes plein petit pas. Ah oui, oui. Voilà, exactement, au cas où tu fasses une remise de gaz. On est à minima plus 400, et là tu vois, on est un petit peu pour avoir 75, tu vois lui, il gère tout seul, il descend, alors tu vois là il nous dit de remonter un petit peu, et tu vois effectivement, on part rouge. Donc tu remets un peu de gaz, ce que tu as fait, c'est gérer la puissance. Là tu vois, il a récupéré. Tu vois quand t'as le los ici, l'aiguille centrée là, c'est dans la bonne, il est tout seul. Tu vas couper le pilote automatique en appuyant sur le bouton. C'est un train fixe, le pas on est passé plein. Le 32, le machin. Si tu vois qu'il s'enfonce un petit peu, c'est le minimum, on voit la piste, on continue. Et là on creuse.
Ouais, voilà, magnifique. Je te reconfigure ta casque, tu peux y aller. Golf identifié, atteignant demi-pied, tourné à gauche au cap 250. Identifié, atteignant 2000 pieds, on tournera à gauche au cap 250, demande 6 Golf. Alors tu vois, l'IFR, c'est pas plus compliqué que ça, tu répètes exactement ce que le gars t'a dit, écoute ce qu'il a dit. 6 Golf identifié, atteignant 2000 pieds, tourné à gauche au cap 250. Voilà, alors pour l'instant, c'est un peu tôt pour le mettre. Mais tu peux le mettre maintenant, mais pour l'instant, il faut garder l'axe de piste. Donc il a demandé de garder l'axe de piste jusqu'à 2000 pieds. Donc en général, tu fais ça jusqu'à 1900 pieds, et à 1900 pieds, tu mets ta pilule. Là, c'était un poil tôt. Et là, tu continues de monter. Tu vois, on est à 1008, on monte à 500 pieds minute. Donc à 1950, ce sera le moment de rendre la main. Donc là, cette fois, on fait exactement la même, mais pas de pilote automatique. Tu arrives à 1950, tu rends la main, donc ta main gauche verrouille l'altitude et tu peux tourner au cap 250, la sécurité, et tu peux mettre le régime que tu as envie. Tu regardes, c'est toi qui décides à quelle puissance tu veux voler. Ok. Alors, affiche-moi la carte, les paramètres du moteur. D'accord, le paramètre du moteur. Le bouton engine. Voilà, ok. Quel fuel flow tu lis, c'est-à-dire le débit du carburant? On consomme combien de l'heure? 9 gallons par heure. Ok. Regarde, on va appuyer sur le bouton lean et je vais appauvrir. On est un peu bas. Alors c'est ce qu'on va voir. On va appauvrir de manière à voir les températures des cylindres qui montent un petit peu. Alors tu vois, on a le cylindre 3 qui commence à chauffer un petit peu. Tant qu'il est en dessous de 1400 degrés, ça va bien. Ok. Et là, pour l'instant, tu vois, là il monte, il monte, il monte. Et alors tu vois, du coup, on est à 7 gallons. Alors qu'est-ce qu'il donne? À 55%, on devrait avoir 7 gallons de l'heure. Oui. Voilà. Bah, tu vois, on a 7 gallons. Par contre, on a zéro marge par rapport au pic EGT. Donc si je veux avoir de la marge par rapport au pic EGT, 100 degrés Fahrenheit, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je réenrichisse. C'est pour ça que tu peux pas... Là, tu vois, on peut en appauvrir un tout petit peu, mais moi, il me faut un delta pic de 100 degrés Fahrenheit pour préserver mes cylindres. Tu vois, je peux appauvrir un petit peu, mais pas des masses. Pas beaucoup. Tu vois, regardez... Dans 166 Golf, tourné à gauche, cap 230, veillez 118, décimal 8. À gauche au cap 230 avec 118.8 devant 6 Golf. Tu bascules 118.8 en actif. Et devant 6 Golf, on est à 2000 pieds au cap 230. Devant 6 Golf, Roger. Donc t'as vu que quand j'ai voulu appauvrir, on a bien consommé 7 gallons. Le problème, c'est que j'étais au pic EGT. Donc je suis à la tendance stoichiométrique, c'est là que j'ai le meilleur, j'ai le mélange parfait. Le problème de consommer 7 gallons, c'est que tu n'as pas de marge par rapport à des températures de cylindre. Et si je réappauvris pour avoir 100 degrés Fahrenheit en dessous, 1300 degrés Fahrenheit, c'est ce qu'on veut, et bien boum, je suis plein riche. C'est pour ça que le manuel de vol te dit qu'en dessous de 5000 pieds, ça sert à rien d'appauvrir. Alors tu peux appauvrir, oui tu vas consommer moins, par contre tes températures de cylindre vont augmenter. Et attention, c'est lié aussi à la température extérieure. Oui. Là il fait quand même 20 degrés. Oui. S'il faisait moins 10 degrés, on pourrait appauvrir. Ce qu'il faut regarder, la température des cylindres, c'est aussi par rapport à la température extérieure. S'il fait super chaud, bah, tes cylindres ils se refroidissent pas quoi. Oui. T'as vu l'avantage d'un manche solidaire du siège? T'as pas besoin de le toucher. Oui, c'est vrai que c'est... C'est pas mal. Donc là, tu vois, on a un cap sud-sud-ouest. Bah, le grain, il commence à arriver. Voilà, c'est pour ça qu'on a bien fait de faire ça dans cet ordre-là. Ça, c'est rien du tout. Hein. Oui. Ouais, bah, on voit pas très bien à travers, mais c'est ce soir que ça va se dégrader. Descends un petit peu, on est un peu monté.
Fox Alpha Romeo, bonjour. Fox Alpha Romeo, pour Pontoise, bonjour. Bonjour, on va descendre un petit peu. 972 en provenance de Toussus-le-Noble. On va rentrer dans la classe secteur sud pour passer au point Sierra Whiskey, puis Vente en direction de Rouen. Alpha Romeo, transpondeur 4230, QNH 1017, je vous rappelle. UTC, expect order avec Ring, approche à l'essai 05, en Wing 05, expect an interaction at departure on 05, RCC 666. Sur le level 60, caution, budget activity. Dans le golf, tournez à gauche, cap 080, interceptez localizer, autorisé à approcher Zulu 05. On tourne à gauche au cap 080 pour intercepter le lock et on est autorisé à l'approche ILS Zulu 05. Le 080, descend pas, tu restes à 2000. Transit approuvé, 2500 pieds max, QNH 1017. Tu peux enlever tes lunettes de soleil. Bien reçu, autorisé avec un... Voilà, donc là, tu l'amènes tranquillement. Tu vas réduire, tu vas mettre 20-20, la gauche appauvrie. Ah, donc attention, quand tu réduis les gaz, ton avion il descend. Et alors nous, on n'a pas le droit de descendre. Tu vas au cap 080. Et là, on attend que le lock soit actif. Dès que le lock, dès que la barre elle commence à bouger, donc on annonce lock live, et là on se met à tourner, mais jamais plus vite que le lock. Tu vois ton triangle, il ne doit pas aller plus vite que lui. Donc tu vois, on tourne tout doucement pour s'aligner. Alors tu vois, il ne faut pas aller trop vite. Si on va trop vite, on undershoot l'axe. Tu vois, on a tourné trop vite. Du coup, il faut retourner le chercher un petit peu. Ah, et quand il rentre, boum, on commence à y aller tout doucement. Donc tu vois, faut pas aller plus vite que lui. Il est un peu trimé à piquer ton avion, il a un peu de trim à cadrer. Voilà, et tu vois. Non, 6 Golf, contactez Pontoise Tour, 121 décimal 2, bonne soirée. 121-2 avec la tour, novembre 6 Golf, merci, au revoir. Pontoise Tour, novembre 166 Golf, bonjour, on est établi sur LOC 05. Novembre 166 Golf, bonjour, numéro 1, rappelez courte finale. Numéro 1 rappellera courte finale à 05 novembre 6 Golf. Ok, donc 2000 pieds, glide live, le train doit être sorti, les volets, hop, attention que là, t'as pas le trim qui t'aide, la pompe, le réservoir, on est sur le gauche, c'est le plus plein, on reste comme ça, et tu vois, attention, on a. Alors regarde pas dehors, ça sert à rien, t'as juste besoin de regarder tes instruments. Voilà, donc on sait que là on est. L'aiguille va à gauche, donc faut qu'on aille à gauche, on est trop à droite. Tu vois? Donc on va chercher l'axe comme ça. Ok? Ensuite, ce qu'on fait, qu'on doit avoir notre aiguille centrée. Et quand le glide rentre, c'est le cas, top chrono, 15 pouces. 166 Cosmaté, bien 2000 pieds pas plus haut, trafic travers gauche, un nautique ennemi gauche-droite, il est 1000 pieds haut en descente. C'est bien pris du 96 Golf et on a débuté la descente. Roger, bien autorisé, approche ILS Zulu 05 et numéro 1. Numéro 1, autorisé à l'approche Zulu 05, 96 Golf. Donc regarde bien tes instruments, il faut que ça soit toujours au milieu et ça soit toujours centré. Donc tu vois, on est légèrement... trop à gauche parce que l'aiguille nous dit d'aller à droite. Donc on prend une toute petite correction et on se met comme ça. Ok, on va passer plein petit pas, ça c'est hyper important. Et regarde, on a 89, 8 x 5, 40, 400 pieds minutes. Et il faut que tu aies en permanence cette aiguille centrée. Tu vois, regarde, tant que cette aiguille est centrée, on est bien. Et tant que ça c'est centré, on est bien. Là c'est en train de descendre, oui. On est donc trop haut, donc on réduit. Ah non, on réduit. Il faut qu'on aille vers le triangle. Oui, on est le, voilà, le triangle nous dit de descendre. Et là, tu as vu, j'ai réduit, il revient au milieu. Et voilà, et comme ça, on est bien. L'aiguille se barre un poil à gauche. Donc on prend 2 degrés à gauche, boum, on remet les ailes à plat. Et on attend de regarder ce que fait la dérive. Est-ce que le lock rentre? Il rentre, donc ça veut dire qu'on est pas mal. Le glide, on est impeccable. Et tu vois, on est à 4 nautiques. À 4 nautiques, on devrait être à 1620 pieds. On est à 4,2. Devrait être à 1620. Ah oui, c'est bizarre ça. Ok, bon, en tout cas, notre glide est bon. Ok, le lock est bon, le glide est bon, on continue. Et tu vois, on le tient, lâche tout pour voir. Ok, la dernière check, on est
plein riche, on a tout configuré comme il faut. 1000 pieds sol, tu peux sortir tes volets. Et tu vois là, le losange remonte, on est trop bas, il faut remonter. Bah, ça tombe bien, la sortie des volets, ça a créé un effet hyper sustentateur qui nous a fait remonter. Le lock, l'aiguille, elle est 1 degré à gauche, on prend une correction d'1 degré à gauche. Et le glide, on est un poil trop bas, je remets un tout petit peu de puissance. Et on regarde pas dehors, on joue comme ça. Et en fait, il faut en permanence avoir ça et ça au centre. L'aiguille, elle est bien. Le glide est bien. Et ben on continue. On est à minima plus 500. Tout est configuré. On est configuré atterrissage. Ok. J'ai trimé, là, si, ouais. Là, pareil, on est un peu... Oh, on est bien. Minima plus 400. Le lock est bon. Le glide est bon. On a tendance à être un tout petit peu au-dessus du glide. Donc, on réduit un petit peu. Et tu vois, elle part 1 degré à gauche. Lui, il nous dit de remonter, ok de descendre un peu, non, il nous dit le triangle va vers le haut, faut le suivre, le triangle. C'est pas facile quand t'as pas l'habitude. Là, tu vois, regarde, si j'arrête de descendre, lui, il va descendre. Golf, golf, piste 05, autorisé au toucher, vent 0,10 degrés, 4 nœuds. À l'issue, vous êtes VFR pour détour de piste pompeuse. On touche 0,5, VFR à l'issue, non, c'est golf. Là, il nous dit de descendre, on est trop haut, et ben, je réduis. Et je plonge, et tu arques le triangle, il va revenir. Il est revenu. En fait, tu suis le triangle. Minima plus 200, l'aiguille part à gauche. Donc on fait une correction vers la gauche. Et lui, il nous dit de remonter un tout petit peu. Et tant que tu as ça au centre, tu n'as pas besoin de regarder dehors, c'est que tu vas vers ta piste. Minima plus 100, on continue. Un peu haut, donc je descends. 1 degré à gauche. Ok. On arrive au minima, on regarde dehors. Et là, tu es censé être sorti des nuages. Ok. Récupère bien les commandes et tu me fais un bel atterrissage comme tu as fait juste avant. Garde bien ta main sur les gaz toujours en final. Voilà. Donc tu vises le 0,5, quand tu passes de 0,5 tu réduis. Là tu es censé être sorti des nuages maintenant. Donc, le papy est moins important, on vise bien le 0,5. Un peu de pied à droite pour me ramener au centre de la piste. Tout est parfait, ta vitesse, ton plan là c'est vraiment parfait. Tu réduis tout, vas-y. Voilà, tout doux, tu vois qu'il remonte bien. Arrondis-le un tout petit peu. Encore, 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 encore. Et voilà. Et plein gaz. Voilà, du pied à droite, rotation. Moteur. Et 96 Golf, on est en exercice de panne moteur. Donc tu vois, là tu le tiens, et plein gaz. Vas-y, plein gaz. Et rotation. Traffic 2, O'clock. Okay. 0 miles.